Non, on fera pas d'épisode comme ça, je te rassure. Encore 3 mois et ça va faire 2 ans que j'ai décidé de tout lâcher pour venir vivre ici, à Montréal. Ce qui signe aussi la fin de mon visa de travail ici. Je te retrouve aujourd'hui pour te partager mon expérience, qui sera bien entendu différente d'un ou d'une autre. Si tu me suis depuis quelques temps, tu as pu voir mon parcours et comment a évolué ma nouvelle vie. Notamment avec l'une de mes dernières vidéos, que je te mets aussi en lien dans la description. Et elle résume pas mal ce qui s'est passé et s'est déroulé ces 2 dernières années. Cela ne t'a sûrement pas échappé. La grosse pandémie mondiale qui a perturbé les plans de absolument tout le monde, et forcément aussi dans notre cas, car c'est le sujet de la vidéo, les immigrants français venus s'installer ici en PVT. C'était sans compter la nouvelle réforme PEQ qui arrive et qui va chambouler pas mal de choses et pas forcément positif pour ceux qui souhaitent y rester après leur PVT. Plutôt que de te parler de pourquoi j'ai quitté la France, comme je l'ai déjà fait dans mes précédentes vidéos, je vais te parler plus de ce qui se passe actuellement pour moi. C'est parti pour les sidéraleurs français, et j'assume. Je dois avouer ma frustration quant au fait d'avoir le sentiment de ne pas avoir pu profiter au maximum de ces 2 dernières années, surtout forcément ces derniers mois à cause de la crise qui a tout stoppé net, et encore aujourd'hui également. L'immigration canadienne n'a pas évoqué du tout de prolonger nos PVT malgré la situation peu ordinaire. Et ces mois perdus où on n'a pas vraiment pu profiter de l'expérience, eh bien, sont définitivement perdus. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Cette non-décision entraîne donc aussi des conséquences, surtout pour des personnes comme moi, qui allaient commencer à entreprendre la démarche du CSQ. Le CSQ, c'est quoi? C'est le certificat de sélection du Québec, qui est en vue de faire une demande de résidence permanente pour pouvoir rester après ton PVT. Car bah, de base, c'est mon intention. Il est évident que cela ne sert à rien de mettre la crise sur le dos de l'immigration, elle y est pour rien, elle n'a pas inventé le virus, et c'est assez normal que les immigrants en visa temporaire ne soient pas dans la priorité absolue du pays. Même si j'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus de considération et d'arrangement. Pour ma situation personnelle, en tant que gérant de bar et barman, métier que je faisais bah, depuis mon arrivée ici, mon activité s'est donc stoppée avec une mise à pied pour cause du Covid-19. Et forcément le processus d'immigration qui va avec, car il faut être en poste pour faire ce processus. Il n'y a aucune exception accordée de la part de l'immigration canadienne malgré le fait exceptionnel de la situation. Mais j'avais tout de même espoir qu'avec le déconfinement, la réouverture progressive des restaurants et des bars, pouvoir reprendre mon poste à mon bar, car je savais combien il allait être compliqué de pouvoir trouver un nouveau poste avec l'offre et la demande actuelle. Pas de chance, mon bar fait face aux répercussions de la crise et ne réouvrira malheureusement pas. Les délais administratifs pour prolonger mon immigration après le PVT étant devenus immensément longs, il est devenu très très compliqué donc d'obtenir ce fameux CSQ. On parle d'un délai qui était à la base de 20 jours, qui est maintenant d'au moins 6 mois. Il me reste peu de solutions et un laps de temps vraiment très court, sachant qu'au jour où je te parle, le déconfinement il n'est pas encore total ici, donc il y a encore beaucoup de services qui sont bloqués ou qui n'ont tout simplement pas repris. Alors forcément, je pense comme beaucoup de Français qui vivent ici et qui sont dans la même situation que moi, j'ai remis en doute mon envie de rester vivre à Montréal, car c'est devenu un vrai parcours du combattant, d'autant plus qu'après tout ça, t'es même pas sûr à 100% d'être accepté. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? C'est ce que je me suis demandé. J'ai fait pour ça une prise de recul en regardant en arrière et voir tout ce que j'ai vécu et ce que ça m'a apporté, puis j'ai aussi essayé de me projeter dans le futur ici. Alors, au final, il y a énormément de choses ici qui font que j'ai un état d'esprit plus tranquille. Il y a des valeurs qui correspondent plus à la personne que je suis et aussi à ma personnalité, comme par exemple l'avantage d'être dans une ville où tu ne vis pas dans la paranoïa constante qu'on va pouvoir arracher à tout moment. Dans les lieux publics, t'es bien personnel. Et je dis pas que c'est impossible,
que ça arrive ici, hein, mais c'est bien bien moins fréquent qu'à Paris d'après mon vécu. J'ai quand même vécu plus de 20 ans à Paris, c'est pour dire. Le niveau et les opportunités aussi, notamment de travail, me paraissent aussi plus accessibles ici, en temps normal. A contrario, j'ai beaucoup de mal à vivre autant de la photo que je le pouvais à Paris, malgré tous mes efforts. Et ça, c'était un des gros points noirs qui ont justement remis en cause cette envie de rester. Même si, bonne nouvelle, eh bien, ça commence à aller mieux de ce côté-là. Donc c'est le fameux concept qu'on pense souvent, que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et on idéalise, je pense, un petit peu trop à tort parfois, avec plein de belles choses, ou alors on est venu en mode vacances, c'est souvent le scénario qui arrive, et on pense que c'est le paradis. Alors c'est un pays qui a clairement ses avantages, comme partout, mais il a aussi ses défauts. Et après, c'est à nous de voir dans la balance dans quel pays nous sommes le plus adaptés. Celui qui va répondre au mieux à nos besoins, à nos aspirations et aussi à notre façon de vivre. Pour moi, si tu quittes un pays, il faut évidemment t'attendre à du changement sur plein de petites choses au quotidien. Et je pense que certains ont tendance à l'oublier. Et moi, j'avais tendance à l'oublier également. On perd des choses, mais on en gagne aussi des nouvelles. J'ai beaucoup grandi ici, j'ai même frôlé la mort, tout comme je me suis aussi jamais autant senti vivant. Alors la réponse à la grande question qui est « Est-ce que je vais rester ici ou retourner vivre à Paris ?» Eh bien, c'est que je veux me battre pour rester ici, je ferai tout mon possible pour y arriver, j'aime cette ville, et bien que j'ai pas la main mise sur la décision finale, on n'est jamais à l'abri d'un autre événement, merci 2020, qui fera que je serai peut-être obligé de rentrer en France, au bout du compte. Mais je touche du bois et je croise les doigts, que ça se fasse et que je puisse demander ma résidence pour continuer à construire ma vie ici. Si toi aussi, tu es en PVT, dans la même situation que moi, et que tu as pour projet de continuer à vivre ici, eh bien, écris-moi ton ressenti, tes aspirations en vue de ton immigration en commentaire, qu'on puisse échanger dessus. Je te ferai une nouvelle vidéo selon le déroulement de la situation. En attendant, prends soin de toi, et à bientôt.